Ya mani mamanga Kozo bone bi ma gogo ma gwenge gigo Ma gwenge bi ma gogo azo bone bigo Kozo mugu bi bala ka wuli kida u bi gama Ya mani mamanga kanu siri bana bo ba L'Afrique francophone se réveille enfin, un réveil perçu brutal pour l'Hexagone. Le précaré français bouillonne, guerre médiatique et communiqué hostile inonde la toile, sans passer par la valise diplomatique. Pourquoi un tel acharnement contre les pays avec lesquels on a tant et longtemps collaboré? Le Mali rouge, une décision décrétée qui nous tombe du ciel. Le 9 août 2023, la France déclare le Mali zone carrément et entièrement rouge sans l'avis des Maliens. Jamais les autorités, les spécialistes maliens, les techniciens de la sécurité et de la défense ne sont associés. Rouge pourquoi? On ne le saura jamais sur cette décision unilatérale. Le Mali prend de couleur à l'humeur de Paris. Tantôt orange, tantôt jaune, tantôt rouge, jusqu'à niveau 4. En quoi cela rime-t-il? C'est terrible. On veut coûte que coûte mettre le Mali dans la vallée d'Armageddon et sonner l'apocalypse pendant que les populations tranquilles vaguent à leur quotidien dans certaines zones. Pourquoi cherche-t-on à couler encore plus de sang en Afrique francophone? Nous n'en savons rien du tout. Trop toxiques ces approches venimeuses. Cet acharnement ne doit pas nous détourner de notre combat pour la liberté et pour la souveraineté. C'est seul dans le secret que ce décret de l'horreur tombe et interdit nos hôtes de fréquenter notre pays en faisant du Mali une destination dangereuse. Une surprise matinale qui étonne les paisibles citoyens voyageurs. Certes, le Mali connaît une crise sans précédent, mais le Mali n'est pas invivable. De grâce, baissez vos armes. Nous prions ces auteurs de nous laisser libre cours et de nous permettre la libre circulation de nos amis voyageurs dans notre pays d'hospitalité de Djatigia et de Maya. Le Mali n'est contre personne, mais les autorités aspirent tout simplement au bonheur du peuple. Voilà tout. Notre épanouissement dérange-t-il? Aujourd'hui, ce réveil des peuples consiste à oublier ces souffrances de 4 siècles. Quoi de plus normal? Ma